Quand Sam m'a appelé, j'allais pas lui dire non. Sam a toujours été du genre solitaire. Là, il avait besoin qu'on lui rappelle qu'un bon copain mouille toujours sa chemise pour vous. Après les réjouissances de la fête foraine, Sam a filé chez Waybox. Les malfrats qui avaient racheté le labo avaient déjà fini et commençaient à évacuer du matos. Mais Sam s'en foutait. Il voulait entrer, et même si la barrière anti-IEM était pas vraiment perméable, il suffisait d'un seul point d'entrée. Ok, Vic, je fais comment pour entrer? Trouve le conduit d'aération sur le côté du bâtiment. Une fois que t'es à l'intérieur, cherche le poste de surveillance. Il est en bas. Une fois que t'auras les retours caméra, tu pourras repérer facilement ton prochain objectif. J'ai déjà entendu ça.
Ça devrait être fini depuis 2 heures. Quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas assez rapide pour vous? Vous voulez vraiment nous dire comment faire notre boulot? Eh bien, je vais raconter à Lucius Galliard que vous ne coopérez pas. Vous en pensez quoi? Les barges, non? Ouais. Mais ce qu'il comprend pas, c'est... Nous aussi, on bosse pour Galliard. Vous ne pouvez pas. Faut croire que si. Alors à vous de voir. Reprenez votre boulot. Ou je vous flingue, par la fille. J'en ai besoin sur le site Bravo. Gardez l'autre tant qu'il est utile. Après, lancez la phase finale. Et le reste du bâtiment? Détruisez-le. Quoi? Pourquoi? Vous n'avez pas le droit! Vous, surveillez un télo. J'ai quelques tâches de nettoyage à superviser. J'ai toujours su que tu finirais dans un labo, ça! S'il vous plaît! Comme un rat! S'il vous plaît! Eh bien... Tirez... Je veux pas mourir. Réponds à mes questions et on verra. Vous bossez sur quoi ici pour avoir besoin de tout cet arsenal? Un protocole anti-impulsion électromagnétique pour le DARPA. Enfin, on faisait ça surtout avant que Robertson reprenne le projet. Robertson? Parle-moi de lui. Ben, à part laisser Black Arrow mettre la main sur le labo, il monopolise les données expérimentales et il les efface du système. C'est super mauvais pour le workflow. Il y a que lui qui a la vision globale. Et Lucius Galliard, c'est quoi son rôle là-dedans? C'est mon patron. La boîte est à lui. C'est lui qui a engagé Black Arrow et Robertson pour la sécurité. Ouais, ce serait pas mal de soulager un peu Robertson de toutes ces infos. Tu peux me faire entrer? J'ai un pass pour l'ascenseur. Parfait. Et après, sors d'ici. Je préférerais rester. Mes amis, ils ont besoin d'aide. Je pourrais peut-être... Bonne chance.
Supprime les témoins. Ce qui veut dire fin d'embrouille au fil. Oh non! Bon Dieu! Sam, je sais que tu es chez Whitebox. Je vais t'aider. Préviens-moi dès que t'auras atteint le système de Robertson. Tiens, t'as tout entendu. Et pourquoi je suis pas étonné? Tu ne devais pas me donner des nouvelles de Sarah? Elle est en ligne. C'est pour ça que j'appelle. Fais vite. Papa? Sarah, c'est toi? Est-ce que tout va bien? Ils m'ont dit que t'étais mort, papa. Qu'on t'avait assassiné. Ils m'ont dit la même chose à ton sujet, Sarah. Ce... Temps écoulé, Sam. Grimm. Plus tard. T'as du boulot. Continue, fumier! Fais voir ce que tu sais faire! Tu tiendras pas longtemps, fumier!
Et merde! Bon Dieu, d'où est-ce que ça venait, ça? Je crois que je l'ai repéré. Je savais que tu te pointerais, Fisher. Va chier! On reste tourné! Restez à couvert! On ne pourra pas les pieds là-dedans! Tirez d'une part, sale crevure! Ça va! J'ai trouvé Fisher! J'ai tout mon temps, mon vieux! Je vois le système de Robertson d'où je suis. Et maintenant? Ok. Maintenant, débrouille-toi pour décourager les invités surprises. J'ai besoin que tu te concentres sur le système et je ne veux pas que tu sois interrompu. Les mines télécommandées, ça devrait le faire. C'est Sam. Je suis devant l'ordinateur de Robertson. Génial. Tu m'ouvres un accès? Ouais, voilà. T'as l'accès route et une connexion réseau. Merci. Je commence à télécharger tout le contenu de son disque dur. Toutes les données sur les IEM sont là. Ça va faire plaisir à 2-3 spécialistes que je connais. Ok, Sam. Lien actif, transfert en cours. Je peux y aller, alors? Pas encore. Il faut que tu surveilles le transfert. Si je perds la connexion, je ne peux rien faire sans toi. Ok. Donc personne ne touche ce PC. D'après ce que je vois, le système est capable de neutraliser l'accès au site. Si ça se produit, on sera complètement coincé. Alors il va y avoir de l'action. J'ai de la visite. Connexion.
60%. Adieu ma couverture et celle de Sarah. D'où est-ce ça vient ? De chez White Box, rez-de-chaussée on dirait. D'après le plan, c'est une grande salle. Sans doute un labo de test. Ok, j'y suis passé. C'est là qu'ils ont mis leur IEM de test. Tu pourrais en avoir besoin. Faites ton mieux pour effacer mes traces.
Je suis chez White Box. J'ai besoin d'un conseil. C'est bien la première fois. Ok. Je pourrais avoir besoin d'utiliser une IEM pour effacer un transfert de données. Les locaux vont tenir le coup? C'est un vrai bunker. Ça va fuir tout le matos électronique. Mais dehors, il n'y a aucun risque. Par contre, toi, une camp rapide. Merci, Lee. Go, go, go! Tu vas regretter, toi! C'est quoi ce bordel? Tu veux jouer avec nous maintenant? Pas de confirmation sur la cible! Couvrez-moi, je recharge! Arrête! Terminé ici, Grimm. Je vais peut-être aller chercher ce Galliard dont tout le monde parle. Lucius Galliard? Tu le connais? Pas directement, mais... Écoute, on en rediscutera. En tout cas, ne fais rien sans moi. Pour l'instant, on a un analyste qui bosse sur les données de Robertson. Je vois pas l'ennemi. Il a été incapable de le localiser. Il est pas là. Continuez, Comment Sam a réussi à entrer au Lincoln Memorial? Facile. Avec l'aide des services secrets, sur ordre de la présidente. Ce serait long à expliquer. Grimm avait tendu l'oreille en entendant le nom de Lucius Galliard. Elle savait que Reed bossait avec l'homme d'affaires, mais Reed avait l'habitude de cloisonner sa combine. Grimm manquait d'infos sur cette opération. Et Grimm n'aime pas être dans le noir. Ce que Grimm savait, en revanche, c'est que Reed et Galliard devaient se voir au mémorial le matin, juste après un discours bidon du vice-président. Les types de Galliard avaient une bonne couverture. Ils s'occupaient de la logistique. Grimm en avait touché un mot à la présidente, à qui ça n'a pas vraiment fait plaisir. Caldwell désirait en savoir plus, et ça voulait dire, bien sûr, infiltrer Sam pour qu'il fasse un peu de surveillance. Voir plus si besoin. Ok, je suis à l'intérieur. La présidente est en ligne, Sam. Il va falloir que tu espionnes la conversation entre Reed et Galliard.